grâce à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs. Emplis-nous de ta paix. Psaume 118, strophe 2. Seigneur, mes lèvres, je les ai tous énumérées.
chair. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse, sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Béni soit le Seigneur, mon Dieu, en ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 60. Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte, contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches aux paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne, ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qui les verra, qui scrutera nos secrets. Ils scrutent celui qui scrute le fond de l'homme. Dieu leur a tiré une flèche, soudain ont été la blessure. Il les fit choir à cause de leur langue, tous ceux qui les branchent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra, le juste aura sa joie.
foi dans le Seigneur et son refuge en lui, et son louant tous les cœurs droits. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée la vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même. Ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira. Par moi, toute langue en fera le serment. En Dieu seul, la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Du père Dominique Herman, moine bénédictin. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, obéir à l'Esprit ? Dans la lettre aux Romains, saint Paul a cette affirmation décisive. Ceux qui se laissent actionner par l'Esprit, ceux-là sont enfants de Dieu. On traduit souvent par « ceux qui se laissent conduire », mais le mot « actionner », même s'il n'est pas très joli, est au moins plus exact. Conduire peut signifier simplement guider, montrer le chemin, et puis on peut conduire par télécommande. Le mot grec est bien plus précis et concret. L'esprit est en nous un moteur. Obéir à l'esprit, c'est se laisser prendre et entraîner, entrer de tout son cœur, de toute sa bonne volonté, dans le mouvement qu'il essaie de nous imprimer à chaque instant. Une image différente et merveilleusement parlante pour essayer de faire comprendre la manière dont le Saint-Esprit agit sur nous et dont nous devons nous y prêter. C'est celle de cette écuyère de haute école qui a obtenu la médaille d'or aux Jeux de Barcelone pour un numéro absolument éblouissant de perfection, et qui disait de son cheval « Rembrandt est tellement sensible, je pense et il fait ». Quelle chose merveilleuse ce serait si nous pouvions dire au Saint-Esprit, du Saint-Esprit, « Il pense et je fais ». Thank you.
La gloire du Seigneur va se révéler, et tout homme verra le salut de notre Dieu. La gloire du Seigneur va se révéler, et tout homme verra le salut de notre Dieu. La gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. La gloire. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Je vais rappeler les œuvres du Seigneur. Ce que j'ai vu, je vais le raconter. C'est par sa parole que le Seigneur a réalisé ses œuvres. Tel fut son décret par sa bénédiction. Comme le soleil dans son éclat regarde chaque chose, ainsi la gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Il est impossible aux anges, les saints du Seigneur, de décrire toutes les merveilles que le Seigneur souverain de l'univers fit inébranlables pour que l'univers soit affermi dans sa gloire. Le Seigneur a scruté les abîmes et les cœurs. Il a discerné leur subtilité. Car le Très-Haut possède toute connaissance. Il a observé les signes des temps, faisant connaître le passé et l'avenir, et dévoilant les traces des choses cachées. Aucune pensée ne lui a échappé. Pas une parole ne lui a été cachée. Il a organisé les chefs-d'œuvre de sa sagesse, lui qui existe depuis toujours et pour toujours. Rien n'y fut ajouté, ni retranché. Il n'a eu besoin d'aucun conseiller. Comme toutes ses œuvres sont attirantes, jusqu'à la plus petite étincelle qu'on peut apercevoir. Tout cela vit et demeure à jamais, remplit son office et lui obéit. Tout va par deux, l'un correspond à l'autre. Il n'a rien fait de défectueux. Il a confirmé l'excellence d'une chose par l'autre. Qui se rassasirait de contempler sa gloire? Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. La gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Nous venons d'entendre une magnifique prière de louange. Je suis sûr que chacun d'entre nous a déjà eu l'occasion de se faire une telle prière. Je me souviens de ces offices de l'aude dans l'abbatiale du Mont-Saint-Michel au mois d'août, quand les rayons du soleil pénètrent à l'horizontale, traversant les verrières de l'abside. Étonnement, émerveillement, on ne peut que contempler. Un au-delà qui échappe à tout discours. Pourquoi ces rayons de lumière? Ils sont sans pourquoi. À quoi servent les rayons de lumière? Ils ne sont pas utiles. Ils sont au-delà de l'utile et de l'inutile. Tous nous avons ce genre d'expérience, que ce soit en contemplant la mer, en contemplant le ciel étoilé ou simplement les oiseaux du ciel ou les lys des champs. Tout cela, inattendu, me fait me sentir en adéquation avec ce monde ainsi dévoilé. C'est ce monde-là que je veux habiter, comprendre et aimer. C'est ce monde-là qui me fait éprouver un étonnement d'être. Je me trouve étonné que tout cela me soit donné, sans que je l'aie demandé, encore moins mérité. La gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Et pourtant, hormis l'astrophysicien émerveillé, penché jusqu'au vertige au bord de l'infini, l'homme contemporain dans un monde si dur, où depuis les insectes jusqu'aux humains, le plus fort dévore toujours le plus faible, l'homme y ajoutant même la haine, les divisions, la guerre et le sang, l'homme contemporain donc se demande encore si vouloir s'émerveiller, ce n'est pas refuser la triste réalité et fuir dans le rêve. Au spectacle de notre monde chaotique, violent,
Comment y voir la trace d'un Dieu tout-puissant, bienveillant pour sa création, et particulièrement pour l'homme? N'est-ce pas être naïf que d'encore oser affirmer que Dieu agit dans ce monde et dans l'histoire? Ou bien Dieu, s'il existe, s'est retiré du monde et observe les aléas d'une humanité qui ne sait pas trop où elle va? Ou bien tout cela obéit à un plan bien caché à nos yeux, un dessein mystérieux, les décrets insondables de la Providence? C'est l'objection classique. Comment un Dieu bon peut-il tolérer un mal dont il n'est pas l'auteur? La vision globalement progressiste est la suivante. Le monde progresse assurément vers le bien. On peut donc tolérer quelques turbulences passagères. Tous les cataclysmes ne seraient alors que de nécessaires phases de transition par lesquelles s'engendre un monde nouveau. Ainsi, dans la Genèse, Joseph peut dire à ses frères qu'il avait vendu précédemment « Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien afin de sauver la vie d'un peuple nombreux. » On nous explique aussi que Dieu ne veut pas le mal, mais seulement le permet pour sauvegarder notre liberté. C'est là une vision proche du cynisme. La Shoah et toutes les catastrophes du même genre qui ont suivi ne cessent de nous questionner. Même si l'homme est le grand responsable, quel est ce Dieu qui a pu laisser faire? Interroge le philosophe Hans Jonas. Lorsque chaque dimanche nous disons « Je crois en Dieu Tout-Puissant », il est probable que nous ne comprenons pas ce que nous disons. Dieu n'est pas puissant à la manière des rois et des princes, à la manière du monde. Dans sa méditation sur le concept de Dieu après Auschwitz, Jonas consacre de belles pages à ce qu'il appelle la faiblesse de Dieu. Dieu, après s'être entièrement donné dans le monde en devenir, n'a plus rien à offrir. C'est maintenant à l'homme de faire en sorte que Dieu ne regrette pas d'avoir laissé devenir le monde. Bref, maintenant, il s'agit d'aider Dieu. La gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Il paraît que nous devons remercier Dieu. Ce devoir de reconnaissance fait surgir l'image d'un Dieu donateur qui n'a aucun sens de la gratuité. Dieu donne tout. N'est-il pas mort sur la croix? Lui, Dieu, que rien n'y obligeait. Donc, le remercier convenablement, c'est lui rendre tout. De sorte qu'en fin de compte, il ne donne rien. Mais on peut imaginer Dieu autrement. On peut imaginer qu'il est vraiment bon. Auquel cas, Dieu donne, parce qu'il est comme ça. C'est sa nature, il ne calcule pas. Il n'attend pas le moment où il pourra réclamer le prix. Il fait briller le soleil et pleuvoir la pluie sur les justes et les injustes. Lui qui fit le monde, créature par créature, il vit que cela était bon. Et quand il fit l'homme, homme et femme, il vit que cela était très bon. Alors la première louange, la gratitude fondamentale, c'est de vivre, c'est d'aimer la vie. C'est de voir que tout ce qui naît est bon, très bon. Ce n'est pas d'abord d'être obligé par devoir à constamment se retourner vers le Maître pour le féliciter, le remercier, lui proposer ses services, lui rendre ce qu'il a donné, mais d'aimer ses dons, apprécier le don qui nous est fait. En somme, la première louange, c'est de connaître son bonheur. Or, notre civilisation a le culte de l'insatisfaction, jamais le droit d'être content de soi. La satisfaction est soigneusement cultivée de tous côtés. Elle aboutit à ce que le moindre manque finit par compter plus que ce qu'on a. Qui songe à se réjouir ou à louer Dieu parce qu'il est en vie, qu'il respire l'air, qu'il peut marcher, parler, aimer? Chaque fois que nous nous réveillons le matin, Dieu nous donne sa manne, la vie. Tout cela ne semble pas compter, c'est hors commerce, c'est gratuit et donc ça ne vaut rien. Sachons jouir de ce qui nous est donné. Bien sûr, cela ne fait pas très pénitent ni mortifié. Mais cet éloge de la vie heureuse n'est pas du tout une insulte envers ceux qui ne savent pas ce que c'est que manger à sa faim, qui vivent sans travail et pour tous ceux qui courbent le dos sous l'oppression, car c'est l'homme qui entrave la donation de Dieu. La gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Louez Dieu. C'est croire vraiment en sa bonté. On pourrait aligner des dizaines de raisons de croire,
toute raison convaincante et certaine pour celui qui a la foi, mais tout aussi douteuse pour celui qui n'a pas la foi. Mais l'Écriture nous enseigne croire pour rien, gratuitement, sans raison. C'est pour rien que l'on sert Dieu. Rappelons-nous Job. Job a été le croyant indiscutable, le juste devant Dieu et devant les hommes. Dès le début, nous voyons Job qui aime Dieu et le sert pour rien, puisque c'est justement ce dont Satan doute. Aimer sans raison, croire sans raison, sans autre justification que l'amour et la foi en eux-mêmes. Incompréhensible pour Satan. Pour lui, aimer et servir implique que l'on doit toujours être payé. L'homme se trouve appelé à croire pour rien, parce que Dieu se révèle comme celui qui aime pour rien. Si Dieu aime et sauve l'homme par grâce et sans en demander le prix, l'exacte contrepartie, c'est justement que ce Dieu entend être cru et aimé sans intérêt, simplement pour rien. C'est scandaleux et pourtant c'est facile à comprendre lorsque l'on pense à l'amour. À partir du moment où un homme, une femme, aime l'autre pour quelque chose, son argent, son prestige, sa beauté, sa situation, ce n'est plus de l'amour, c'est du calcul. L'amour est sans cause, l'amour est sans raison. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Envers Dieu, c'est la même chose. Nous sommes incapables de dire pourquoi Dieu aime, sinon qu'il est l'amour même. Il a créé pour rien, il a aimé pour rien, il s'est incarné pour rien, il n'y a pas de calcul. Il s'est laissé crucifier pour rien, c'est-à-dire gratuitement. Dieu fait grâce pour rien. Et sa grâce précède toute chose. Nous avons dans la tête le schéma « croire pour être sauvé » ou bien « la foi comme condition du salut ». La Bible nous dit l'inverse. La grâce de Dieu précède et alors la foi naît. Dieu aime le premier. Dieu t'aime le premier. Dès lors, sans doute, aime-le en retour. Mais ce n'est pas ce donnant-donnant qui est important. Sinon, nous allons retomber dans les logiques d'obéissance, de culte, de règles, de sacrifices. Ce n'est pas la logique de Dieu. L'Écriture nous dit tout autre chose. Dieu t'a aimé le premier, alors maintenant va vers les autres hommes et à ton tour aime-les, sans objectif, sans finalité, même pas de les convertir. Aime-les parce que tu es aimé. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Sur les chrétiens du monde entier, sur ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, viens, Esprit de Dieu. Envoie ton Esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Sur notre Église de Paris, en cette fête de Saint-Germain, Église que tu rassembles pour te louer et te suivre, viens, Esprit de Dieu. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face
sur notre pays, sur ceux qui le gouvernent, sur tous les hommes de bonne volonté. Viens, Esprit de Dieu. Envoie ton Esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Dieu notre Père, splendeur et gloire de tes élus, tu as sanctifié ce jour par la mort de l'évêque Saint-Germain. Accorde à ton Église l'appui de ses exemples et de ses mérites pour qu'elle trouve miséricorde auprès de toi et qu'elle puisse annoncer à tous les hommes les merveilles de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit-Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
de chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons remplis des promesses du Christ.